Et salut ou re-salut tout le monde, vous êtes toujours sur la chronique ciné de Clément, autrement dit CCC, et cette deuxième partie va parler de 22 Jump Street. Donc 22 Jump Street, c'est un film de comédie slash action avec Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube, Peter Stormare, Amber Stevens, Wyatt Russell, Gillian Bell, Jimmy Tatro, Nick Offerman, Dave Franco et Rob Riggle. C'est les principaux, hein. Après je sais qu'il y en a d'autres. C'est réalisé par Phil Lord et Chris Miller. C'est sorti aux États-Unis le 13 juin, mais chez nous c'est sorti que le 27 août, ce qui est déjà assez étonnant à voir. En général, quand un film sort aux États-Unis, il sort soit à peu près en même temps que dans nos salles européennes, soit légèrement avant, genre une semaine ou deux. Là, on a quand même à peu près 2 mois et demi de différence entre les deux films. D'ailleurs, c'est même pas à peu près, on a 2 mois et demi de différence entre les deux sorties. Et ça peut paraître étonnant. J'ai pas trouvé de raison particulière à ça. En général, quand un film sort juste après sa sortie aux États-Unis, c'est qu'il a dû faire un bide aux États-Unis. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, j'ai pas trop trouvé d'explication. Donc, le pitch, c'est que. Après leurs aventures dans le premier, donc je vais résumer vite fait le premier, on avait Janko et joué par Channing Tatum et Schmidt joué par Jonah Hill, deux policiers qui ont l'air jeunes, donc ont été infiltrés dans un lycée pour démanteler un trafic de drogue en fait qui se fait à même le lycée. Et comme ils avaient l'air jeunes, on les a envoyés en tant qu'infiltrés et que lycéens dans ce lycée pour découvrir d'où vient la drogue et pour l'arrêter. Donc, faut savoir déjà que 21 Jump Street, donc le premier, est adapté d'une série des années 90, je dirais, dans laquelle jouait Johnny Depp. Et le pitch était exactement le même. Donc, à savoir qu'il y avait une agence de flics qui envoyait certaines de ses recrues, qui paraissaient jeunes, dans des lycées pour démanteler des trafics ou des trucs dans le genre. Et Johnny Depp avait ce rôle-là. Et. À la fin du premier, on retrouvait Johnny Depp en tant que membre du 21 Jump Street, et c'était un super hommage, je trouve. Et donc, dans le 2, on retrouve Janko et Schmidt, toujours flics, et cette fois-ci, ils sont envoyés non pas au lycée, mais à la fac pour démanteler un trafic de drogue, drogue qui s'appelle le Wi-Fi, et ils doivent essayer de trouver le dealer et de l'arrêter. Tout simplement, le pitch du film, c'est aussi simple que ça. Donc, globalement, au niveau comique, et au niveau action, on a la dose un petit peu des deux. Le film est super sympa. Encore une fois, je suis allé voir le film plusieurs fois. J'ai sincèrement rigolé autant les deux fois, même peut-être plus la deuxième fois parce qu'il y a certains trucs que j'avais pas forcément su comprendre la première. Et globalement, le film est super bien, super marrant et il joue super bien son rôle. Donc, j'ai malheureusement pas pu voir deux versions différentes, donc à chaque fois je l'ai vu en VF. Et clairement, ça m'a pas choqué. Il n'y avait pas de grosses erreurs de traduction. Je pense que les 2 mois et demi ont aussi aidé à peaufiner les versions autres que les VO. Donc je pense que sur ce point-là, les VF, les versions espagnoles, italiennes et tout le bordel, elles ont dû être un petit peu plus travaillées vu qu'elles ont eu plus de temps. Et je trouve que la VF passait assez bien. J'aurais tout de même aimé voir le film en VO, parce que je suis sûr qu'il y a des tonnes et des tonnes de blagues qui sont super intéressantes en VO et qui ont dû avoir un petit peu des problèmes au niveau de la traduction en français, parce qu'on ne peut pas faire les mêmes jeux de mots dans toutes les langues. Donc je pense qu'il y avait des trucs assez intéressants à voir sur ce point-là. Je vois que l'image commence à être vraiment très très... Non, perdu. Voilà, c'est déjà mieux. Par contre, voilà, sinon ça fait. Ouais, on dirait. Vous allez peut-être voir que là, on dirait qu'il y a un rafraîchissement comme sur un écran. Je pense que c'est la lumière qui provient de l'écran de mon ordi. Mais malheureusement, je ne peux pas l'éteindre. Donc voilà. Alors, on va juste. Hop, voilà. Nickel. Donc, je disais au niveau de la VO, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à voir, surtout au niveau des jeux de mots, donc encore plus de blagues.
Globalement, au niveau sonore, les sons sont plutôt bien rendus. La musique colle généralement bien à l'ambiance du film. À certains moments où on voit les deux protagonistes faire la fête et des conneries dans le genre, on va bien sûr avoir des musiques un petit peu de soirée, un petit peu électro. Ça passe vachement bien. Je suis pas fan du tout de musique électro, mais là, je dois avouer que ça passe nickel. Ça passe crème. Donc voilà un petit peu au niveau sonore comment ça se passe. L'image est également assez clean. Il n'y a pas de réel souci avec ça. J'ai juste eu un petit peu du mal avec une séquence qui est quasi 100% fait en image de synthèse que j'ai trouvé très moyenne. Mais après, c'est du goût de chacun. Et je comprends qu'ils aient pas eu les moyens de la tourner autrement qu'en image de synthèse. Vu ce qu'est la séquence, ça aurait coûté énormément d'argent. Donc je comprends tout à fait qu'ils l'aient fait en image de synthèse, même si c'est évidemment pas le meilleur rendu du monde. Donc voilà. Donc globalement, l'histoire, ça reste à peu près la même que dans le 1. On va avoir Jenko et Schmidt qui vont arriver dans une nouvelle école. Ils vont chacun se faire un petit peu leur groupe d'amis. Et du coup, ils vont plus ou moins se séparer. Enfin, se séparer. Pas vraiment. Mais dans l'histoire, il va y avoir des tensions entre les deux. Parce que les deux ne souhaitent pas enquêter avec le même groupe de personnes. Enfin, sur le même groupe de personnes. En fonction des amitiés qui vont se créer au sein de la fac. Et forcément, il va y avoir des tensions qui vont se créer entre les personnages. Et du coup, ça va. C'est ce qui va amener un petit peu. Ça va être un petit peu le fil conducteur de toute l'histoire. C'était un axe intéressant à voir après le premier où tout allait bien entre les deux personnages, globalement, même si de temps en temps ils s'engueulaient un petit peu. Là, ils ont changé un petit peu la ligne directrice, c'est pas plus mal. Ça permet aussi des retournements de situation qui sont pas mauvais. Il y a plein d'ailleurs de retournements de situation auxquels on s'attend pas du tout dans le film. Je vais pas vous en dire un seul parce que c'est. Sinon, ça enlève la moitié de ce qui est marrant. Mais franchement, il y a des retournements de situation qui sont juste énormes dans ce film. Je pense néanmoins à un retournement qui apparaît vers les deux tiers, voire la moitié du film. Et qui a fait marrer toute la salle. Et très fort. Donc voilà. On a évidemment les différents personnages qui ont chacun un petit peu un rôle respectif. Donc le commandant, le chef de la division 21 Jump Street, qui maintenant d'ailleurs, on nous donne une explication à pourquoi le film s'appelle 22 Jump Street. C'est tout simplement que l'agence qui se trouvait au 21, donc le 21, a déménagé jusqu'au 22, dans la même rue, parce que le 21 n'était plus disponible. Et du coup, c'est ça qui fait le changement de titre du film, et je trouve que c'est quand même vachement bien pensé. Que du coup, le film nous donne une justification pour le changement de titre, alors qu'on pourrait avoir un 21 Jump Street number 2. Là, non, c'est un 22 Jump Street, et c'est vachement intéressant de voir comment ils ont justifié ça. Et le commandant de cette section, le commandant Dixon, qui est joué par Ice Cube, donc un black, et qui, dans le 1, se plaignait toujours que les blacks sont moins respectés et tout le bordel. Ça continue un petit peu dans la même lancée, donc le commandant Dixon est clairement un ressort comique, encore une fois, mais ça marche super bien. Cet acteur est juste génial pour jouer le chef de police black en colère. C'est juste super classe. Ensuite, on a le duo Channing Tatum-Jonah Hill qui fonctionne encore super bien. On dirait qu'ils sont vraiment potes dans la vraie vie, c'est pas impossible même, mais on dirait que les deux personnages de Jenko et Schmidt. Enfin, c'est des vraies personnes qui s'entendent super bien, qui sont meilleurs potes dans la vraie vie et tout le bordel. Et ça rend juste super classe à l'écran. On y croit dur comme fer et c'est super génial. Bien sûr, le film, pour se vouloir comique, va utiliser des tonnes et des tonnes de clichés de films policiers. Donc, je vais encore pas vous en citer parce que. Déjà, ça vous enlèverait le suspense et en plus, ça vous gâcherait un petit peu la surprise. Mais il y a des tonnes et des tonnes de trucs qui sont encore une fois super, super, super bien pensés et super marrants. Donc, sur ce point-là, c'est juste génial encore une fois. Et
dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est un mini spoil, mais pas vraiment en fait. Je vais vous dire d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo si vous voulez vraiment pas l'entendre, mais ça spoile pas l'intrigue du film, et c'est juste en fait le générique de fin qui n'a rien à voir du tout avec le reste du film. Donc, si vous voulez ne pas être spoilé du tout sur ce générique de fin, je vous conseille d'aller au temps qui va s'afficher ici, comme ça, j'y ai pensé, et vous allez un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Du coup, maintenant, je vais vous raconter comment se déroule le générique de fin du film. C'est juste génial. Tout simplement, le générique se moque des suites à répétition dans les films de maintenant. Et donc, il imagine les 20 prochains Jump Street. Donc, le 23, etc. 24. Donc, il nous les envoie en école de médecine, en école hospitalière, en école de cuisine, en école de plongée, en école d'aviation, dans une maison de retraite et tout le bordel, à chaque fois en ayant Janko et Schmidt en tant qu'infiltrés dans ces différents lieux. Et je trouve ça super marrant qu'ils profitent du générique pour se foutre de toutes de toutes les super productions qui font des suites à répétition encore, encore et encore. Et donc je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà pour le mini spoil, c'est à peu près fini. Maintenant, globalement, je regarde si j'ai rien oublié. Non. C'est. Voilà. J'ai juste un petit bémol à dire. C'est que il y a certains passages du film qui sont pas forcément super drôles. Ou alors ça m'a pas forcément touché moi. Par rapport forcément à mon humour. C'est pas, peut-être pas forcément le même, mais il y a certaines blagues que j'ai pas trouvées drôles. Il me semble qu'il y en a une qu'on retrouve dans le générique, dans le trailer, quand Channing Tatum et Jonah Hill montrent l'ensemble de l'équipement qu'ils emmènent à la fac, avec marqué, en gros, ils emmènent un pouf, ils disent ça c'est essentiel pour vivre en tant qu'étudiant, un pouf, un t-shirt avec marqué Beer Pong dessus. Cette séquence, je l'ai pas trouvée drôle. Après, c'est mon goût personnel, mais il y en a d'autres que j'ai pas forcément trouvé très drôles non plus. Et voilà, après, ça dépend des goûts de chacun, mais je pense que globalement, le film est quand même assez drôle. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille d'aller voir ce film, tout comme je vous conseille d'aller voir Les Gardiens de la Galaxie. Celui-ci, je pense qu'il va bientôt plus trop passer au Cinoche et au Cinoche, donc je vous conseille de vous dépêcher d'aller le voir. Il est super, sinon, profitez dès qu'il sort en DVD pour le voir. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille d'aller voir ce film, allez le voir. Bon, allez voir d'abord Les Gardiens de la Galaxie, il est mieux. Mais ce film est super marrant. Si vous voulez passer un bon moment, c'est la meilleure façon, je pense, de se marrer pendant une bonne heure. Donc voilà, j'espère que cette deuxième chronique vous aura plu. On se retrouve tout de suite ou pas pour la troisième partie et un autre film. Donc voilà, allez, ciao!